Bonjour et bienvenue dans ce didacticiel. En suivant cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser la mise à jour de votre lecteur afin d'obtenir les évolutions du cahier des charges chez Invital à Danum 7 et être à 100% compatible avec votre logiciel de télétransmission. Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir la clé USB contenant la mise à jour du lecteur que vous avez préalablement acheté. Branchez le lecteur au PC et s'assurez d'avoir déchargé tout son contenu. Pour cela, appuyez sur la touche centrale représentée par les trois petits points, descendre et valider sur le menu « Consulter les données ». Le message « Il n'y a pas de données enregistrées » doit apparaître, sinon cela signifie que vous devez au préalable décharger le lecteur sur votre logiciel de facturation chez Invital. Appuyez sur la touche rouge pour revenir sur le menu « Attente ordre ». Vérifiez ensuite que la version installée soit minimum la 3.32. Pour cela, appuyez sur la touche centrale représentée par les trois petits points. Descendre et valider sur le menu « Informations ». Ensuite, descendre afin de visualiser la ligne appelée « Application ». Une fois vérifié, revenir sur l'écran principal appelé « Attente ordre » en appuyant deux fois sur la touche rouge. Passons maintenant sur le PC. Vérifiez que le logiciel de facturation soit fermé et branchez la clé USB. Votre ordinateur ouvre directement le contenu de la clé. Ou alors, il vous propose un menu appelé « Ouvrir le dossier et afficher les fichiers ». Faire un clic droit de la souris sur le fichier nommé « Mise à jour Adadum Ingenico » et choisir « Exécuter en tant qu'administrateur ». Après avoir validé l'autorisation d'ouverture du logiciel de mise à jour, la première fenêtre apparaît à l'écran. La fenêtre détecte automatiquement le lecteur de carte vitale. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Démarrer ». Un message d'alerte apparaît demandant, avant de continuer, de contrôler que le lecteur a bien été déchargé. Répondre « Oui » pour poursuivre l'installation. Le contrat de licence utilisateur s'affiche. Cliquez sur « Accepter » pour continuer. Une fenêtre du déroulement de la mise à jour apparaît, vous demandant de ne pas débrancher le lecteur. Au même moment, nous remarquons que le lecteur affiche également les étapes de l'installation de cette nouvelle version. La mise à jour est en cours de finalisation, laissons encore quelques secondes au lecteur le temps que tout soit terminé. Votre lecteur est maintenant à jour. Pour le vérifier, appuyez sur la touche centrale représentée par les trois petits points. Descendre et valider sur le menu « Informations ». Ensuite, descendre afin de visualiser la ligne appelée « Application ». La version au minimum 4.18 doit s'afficher. Merci de votre écoute. Et bonne facturation.